en a une qui repère un danger, elle envoie des phéromones de signal d'agression. Toutes les abeilles se focalisent sur l'agresseur. Leur dard, il est équipé d'un petit harpon qui lui permet de se ficher dans la peau. Et les abeilles ont cette particularité qu'elles, leur dard s'arrache de leur abdomen quand elles piquent, donc elles ne peuvent piquer qu'une fois, sauf si c'est, puisque ça reste fiché dans la peau, sauf si c'est par exemple dans une carapace, parce que dans la carapace, elles peuvent ressortir, le dard peut ressortir. Enfin, la plupart du temps, elles sont condamnées, donc elles ne piquent qu'en extrême, quand il faut vraiment piquer, elles piquent, contrairement aux guêpes qui, elles, peuvent piquer plusieurs fois. La seule qui puisse... Pardon, elles sont condamnées à ne plus piquer ou à mourir, ou à mourir. Leur abdomen s'arrache. En fait, le sac à venin qui est là, s'arrache et il est énervé de telle manière qu'il continue de manière spasmodique à injecter le venin. Mais elle est morte. La seule qui peut piquer vraiment plusieurs fois, c'est la reine. Puisque quand elle naît, en général, il y a plusieurs larves de reine qui sont nées, qui sont prêtes avec elle. Et la première qui naît tue toutes les autres. Assurer sa domination de la ruche. Voilà. Alors ça, c'était sur se déplacer. En fait, comment les abeilles circulent. Elles peuvent atteindre 25 km/h. Elles sont capables, par exemple, pour éviter des grands vents, de circuler de buissons en touffes d'herbe pour faire face. Parce que quelquefois, elles vont chercher la nourriture à plusieurs kilomètres, ça peut être même 5 km de leur ruche, ce qui est énorme pour un insecte aussi petit. Pour voler, donc, elles sont équipées d'ailes extrêmement compétitives. Elles ont 4 ailes et il y a des petits crochets minuscules qui permettent d'attacher les ailes de devant et les ailes de derrière de manière à créer une surface de portance plus solide et plus vaste, ce qui leur permet de voler longtemps. Chacun de leurs poils est commandé par elles, et chacun de leurs poils contribue au mouvement de l'abeille et à ses changements de direction. Voilà, donc elles apprennent au départ à repérer leur ruche, c'est-à-dire que les jeunes butineuses, les premières fois où elles sortent de la ruche, passent un certain temps devant la ruche en vol stationnaire, à repérer l'entrée de la ruche, à repérer les couleurs qui vont leur permettre de retrouver l'entrée de leur ruche, et à regarder le paysage, et petit à petit, elles augmentent leur distance de vol. Leur carburant, c'est le miel, et donc avant de partir en vol, elles se nourrissent, et puis elles épuisent leur carburant au fur et à mesure, et donc il y a cette fameuse danse que font les abeilles quand elles ont repéré une source de nourriture, elles rentrent dans la ruche et elles effectuent certains mouvements qui permettent de transmettre aux autres, en plus des phéromones, c'est-à-dire des messages chimiques qu'elles vont envoyer, la distance, la nature de la nourriture, la direction par rapport au soleil. Et donc, si c'est pas trop loin, elles font un circuit en rond et elles ont des mouvements aussi d'oscillation, c'est vraiment comme une danse dans un sens et dans l'autre. Et si c'est une source éloignée, alors elles font un trajet en 8 qui donne l'inclinaison de la direction par rapport au soleil à l'heure à laquelle elles ont repéré la source de nourriture. C'est quand même assez incroyable. Bon, puis après, elles parlent aussi par la transmission du nectar. Elles indiquent si elles ont trouvé du lierre, des tournesols, etc. Donc, en fait, les autres savent où c'est, à quelle distance, est-ce que c'est et combien il y en a. Bon, chez les vers de terre, c'est beaucoup plus simple, évidemment. C'était juste pour montrer, en fait, comment un vers de terre avance. Il commence... Donc en fait là les dessins ont été inversés, ça fait partie des petites choses qu'il faut rectifier. Il commence par avancer d'abord les muscles de son avant, de son nez on pourrait dire, puis il les ancre au sol avec ses petites soies, et ensuite il fait passer le reste, et ainsi de suite. Donc il progresse
presque demi-corps par demi-corps, par vagues successives, avec ses soies. Donc les soies, elles sortent de ces muscles transversaux. Ils ont des longs muscles sur toute la surface, comme un tube de muscles. Et puis chaque segment a aussi ses muscles circulaires. Et l'ensemble lui permet de coordonner ses mouvements et donc de progresser. C'est un animal, on dit que par rapport à sa taille, c'est l'animal le plus costaud de la Terre. Il arrive à bouger et à forer plus de 60 fois son poids. Quand il s'enfonce dans la Terre, il déplace des morceaux qui ont plus de 60 fois son poids. Voilà, je pense qu'on peut laisser. Ah, pardon. Alors, je vais faire plus brièvement, mais ce qui m'intéressait, c'était de montrer aussi, selon les différentes saisons, qu'est-ce qui se passe pour ces animaux-là. De manière à pouvoir se dire, ben là, en ce moment, qu'est-ce qu'ils font ? Donc, au printemps, c'est le réveil de la ruche. Les seuls pollens qui vont être disponibles, ça va être beaucoup les noisetiers, tout ce qui est, en fait, les chatons. Bon, heureusement, un noisetier fournit énormément de pollen. Elles vont aussi chercher à boire au printemps, parce qu'elles vont avoir besoin de beaucoup d'eau pour faire la gelée royale, pour faire le miel, tout simplement. Et aussi la pâtée qu'elles donnent à manger aux jeunes. Il y a les pissenlits, voilà, les toutes premières fleurs du printemps. La reine se remet à pondre en fin de printemps. Pendant ce temps-là, les lombriques font des œufs, creusent des galeries, se nourrissent. Ils nourrissent donc avec eux plein de petites bestioles. Voilà, on peut passer à l'été. Mm-hmm. En été, les lombriques, eux, dorment. Dès que la terre devient sèche, en fait, ils se réfugient dans ce qu'on appelle l'estivation, c'est-à-dire un peu le pendant de l'hibernation, où ils se roulent en pelote, soit tout seuls en s'enroulant de muscus, soit à plusieurs et s'enroulent de muscus dans les cavités les plus profondes. Donc là, c'est aussi une erreur, celle-là, elle ne devrait pas exister, on ne devrait pas les voir. Ils vont vraiment là où la terre reste humide, même au plus fort des canicules. Et leur système respiratoire et leur système nerveux se met complètement en veilleuse, donc ils ne mangent rien, le temps que dure la chaleur, ils ne respirent à peine, mais dès qu'il pleut, en revanche, ils ressortent. Donc c'est, quelquefois on les voit dans les pluies d'été, quand on est au potager, on voit réapparaître des lombriques qui avaient disparu depuis un moment, quoi, quand c'était trop sec. Chez les abeilles, en revanche, c'est le pic d'activité. Donc la reine peut pondre jusqu'à 2 ou 3 000 œufs par jour et autant de petites abeilles à nourrir, de larves, etc. Donc là, c'est toutes les fleurs de l'été. C'est aussi la pollinisation, donc des arbres fruitiers, des légumes. C'est aussi le moment où quelquefois les ruches sont tellement surpeuplées qu'on assiste à ce qui s'appelle l'essaimage, c'est-à-dire la reine et une partie, 10 000, 20 000 abeilles, quittent la ruche et vont se poser sur un arbre ou sur un toit. Ça fait un gros amas bourdonnant, là. Et elles cherchent, en fait, il y a des éclaireuses qui partent chercher un nouveau lieu de vie. Et souvent, c'est là où interviennent les apiculteurs qui récoltent. Voilà. Pendant ce temps-là, dans la ruche, les ouvrières ont mis en action une nouvelle reine qui va prendre le relais de celle qui est partie. L'automne, c'est le moment où les abeilles vont faire les toutes dernières réserves. Et en général, les toutes dernières réserves, c'est le lierre, qui est le dernier à fleurir et qui est une énorme source de nourriture pour tous les insectes pollinisateurs. C'est pour ça que quand on a du lierre chez soi, c'est bien de le laisser. Les lombriques poursuivent leur programme de la pluie, c'est-à-dire qu'ils vont pondre, ils vont faire des crottes, ils vont manger. Et voilà, c'est l'automne, c'est une période de grande activité pour les lombriques, jusqu'à ce que le sol, alors on peut passer à l'hiver, mais jusqu'à ce que le sol devienne trop froid, et là pareil, ils se réfugient dans le plus profond. Les abeilles, elles peuvent sortir jusqu'à ce qu'il fasse 12-13 degrés. En dessous, elles sont en danger de mort, en fait, elles ne peuvent pas. Et en cas de pluie aussi,
j'essaye d'éviter la pluie au maximum. L'hiver, l'essaim donc, consomme ses réserves et pour se garder au chaud, il fait donc une boule à l'intérieur de laquelle, au centre de laquelle, il fait 37 degrés, mais à l'extérieur, quand les températures chutent, il peut faire 8 degrés. Donc il y a une espèce de va-et-vient entre celles qui sont à l'extérieur, qui se sont refroidies, viennent se réchauffer à l'intérieur, tout ça autour de la reine, bien sûr, qui a arrêté de pondre en octobre, et elles survivent comme ça tout l'hiver, par leur solidarité. C'est une des rares espèces à faire ça. Les bourdons font la même chose. C'est les seules abeilles sauvages, les bourdons, qui vivent en collectivité. Elles ont souvent des nids sous la terre, les bourdons. Mais c'est le même principe et elles consomment leurs réserves d'hiver. Donc si les ruches n'ont pas produit assez de miel, eh bien les abeilles meurent. Et c'est un peu... Bon, alors les apiculteurs vont donner du sucre, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. De temps en temps, quand il y a un radoucissement, il y en a certaines qui sortent pour aller chercher de l'eau, parce que c'est l'élément indispensable. Et petite anecdote étonnante, pendant tout l'hiver, elles vont garder leur déjection à l'intérieur de l'abdomen et elles ne sortiront, enfin, elles ne les évacueront leurs excréments que quand elles sortiront de la ruche. Donc elles peuvent passer plusieurs mois sans sortir de la ruche. C'est des abeilles particulières, les abeilles d'hiver. Elles sont nées vers octobre, elles vont vivre plus longtemps. Leur mission, ça va être d'assurer la survie de l'essaim pendant tout l'hiver. Elles sont équipées à l'intérieur du crâne et de l'abdomen de masses graisseuses qui leur permettent de résister plus au froid. Et donc leur mission, c'est de protéger la reine, de maintenir la population et de se préparer à élever les premiers couvains, en fait. Et une fois que les premiers couvains sont élevés, alors elles meurent. Bon, donc notre lombric, lui, s'est réfugié. S'il fait froid, dès que la température passe en dessous de 10 degrés en surface, il plonge dans les profondeurs, il se roule en boule comme en été. Ça, c'est donc un petit restaurant de petit frigo de taupe. L'hiver, les abeilles se mettent en boule, si j'ai compris, ça magasine. Dans la partie basse, le premier caisson, parce que les rayons sont au-dessus, c'est bien voilà. Ça. Donc il y a une partie vide, là où là c'est la vide, et ensuite elle travaille dans les... Il y a aussi des rayons. Il n'y a pas beaucoup de place entre les rayons. Et alors c'est marrant parce que le couvain, par exemple, ça crée une espèce de forme comme un ballon de rugby. Et puis après autour il y a du pollen, du miel, mais là où elles habitent et là où elles naissent, c'est comme une espèce de ballon comme ça. Et elles sont tassées les unes contre les autres, très très serrées. Et elles vont de temps en temps, dans les hausses, si on leur a laissé des hausses, chercher des réserves de miel. Quelquefois, il peut y avoir 2, 3, 4 hausses, même dans les ruches qui fournissent énormément. Bon, là, c'était pour expliquer justement comment ça se passait. Bon, ça, vous connaissez un peu, donc les produits de la ruche. Les vers de terre, c'est ce que disaient les enfants. Donc, on en fait des lombrics composteurs, donc, qu'on peut avoir sur son balcon. À leur corps défendant, ils participent pas mal à l'industrie de la pêche, s'ils servent d'appât. Il y a aussi des fermes à engrais maintenant, où il y a des lombrics, alors qui sont plutôt... Ils ne sont pas des lombrics, justement, qui sont des vers de fumier, les petits rouges, là, qui dégradent des déchets pour faire du terreau. Et puis, il y a des expériences très intéressantes, notamment du côté de Montpellier, où il y a toute une station d'épuration avec des petits vers. Donc il y en a, je ne sais plus combien, des 10 000 par mètre carré. Et les eaux sales de la ville passent sur eux. Ils l'absorbent, ils dégradent les bactéries et l'eau sort pure. Mais un temps assez court après, c'est de l'ordre de quelques heures, l'eau est purifiée. Donc voilà, ça c'est des innovations qui sont en cours et qui pourraient être intéressantes. Les dangers qui les menacent, alors là, de notre part, donc vous avez entendu parler donc, du frelon asiatique, du varroa, voilà, qui est un espèce de petit insecte qui, comme une tique qui va sucer le sang des abeilles. Et puis bien sûr, il y a tous les produits phytosanitaires
sont, même quand ils sont par exemple dans l'eau, les plantes les absorbent et après suintent. En fait, les plantes produisent de l'eau, de l'évaporation, en fait, l'évapotranspiration, et cette eau, elle est empoisonnée. Et c'est là où les abeilles se fournissent aussi beaucoup en eau. Et ça attaque tous les produits type glyphosate, par exemple, attaquent leur système nerveux et les tuent après. Les vers de terre, c'est tout ce qui est écrasement, qui écrase les galeries, qui passe la terre. C'est tout ce qui est pollution, bien entendu. C'est tout ce qui est tranchage aussi avec les herses. Voilà, et j'avais fait un petit encadré pour dire qu'un ver tranché a très peu de chances de survivre, en fait. Il faut que toute la partie avant, tous les organes principaux soient épargnés et qu'il ait la capacité de régénérer les intestins. Et oui, c'est quand même pas très fréquent, quoi. C'est la plupart d'entre eux meurent quand ils sont coupés. Alors, donc, c'était ça, c'était des conseils, justement, pour les aider. Il y a des grelinettes, laisser des déchets verts dans son jardin, ne pas employer de produits chimiques, des hôtels ou des endroits pour les insectes, consommer du miel de France. Il y a énormément de miel qui sont vendus en supermarché, qui sont maintenant des miels de Chine, qui sont produits dans des conditions de sanitaires déplorables, qui sont bourrés de pesticides. Et qui ne sont pas du miel, qui sont enrichis de sucre, etc., de glucose de maïs, de tout ce que vous voulez. Donc si on veut aider les abeilles, il faut aider les apiculteurs en mangeant du miel d'ici. Laisser des fleurs sauvages, même un petit coin dans un jardin, c'est déjà beaucoup. Voilà. On commence à penser que les villes commencent à être des refuges pour les abeilles. Parce qu'il y a beaucoup de villes qui ont adopté le plan phytosanitaire, enfin non phytosanitaire plutôt avant 2020, même qui ont commencé à passer à des produits de traitement bio. Et donc les fleurs des villes accueillent des abeilles. Il y a même des pas mal maintenant de ruches. Il y en a combien sur le toit de l'opéra, il y en a sur le toit de certaines entreprises, avec toujours cette récupération. Où des entreprises en fait font poser des ruches sur leur toit pour se donner une image verte et écologique, y compris de l'industrie automobile, et en fait ils font souvent venir des rennes et des abeilles d'Europe centrale, voire de plus loin, et ça c'est des abeilles invasives qui sont concurrentes des nôtres en fait, et donc c'est pas une bonne idée. Dans les villes il y a très peu de lombric. Les trottoirs, c'est pas très favorable au lombric. Il n'y a pas moyen de creuser des galeries. Les sols sont pollués. Les pollutions aux hydrocarbures, c'est la même chose. Les pollutions aux hydrocarbures et aux produits chimiques, c'est la même chose tout le long des voies ferrées en général. Voilà, donc c'est, ouais, c'est. En plus, il fait plus chaud. Ce qui est bien pour les abeilles, mais pas pour les lombrics. Donc en fait, nos sous-sols de ville, ils sont stériles. Et ça, c'était justement un peu les cousins, le bourdon, les abeilles. Il y a donc en France 1200 espèces d'abeilles. Il n'y en a donc que deux qui sont domestiques. Tout le reste, c'est des abeilles sauvages et qui sont ce qu'on appelle des abeilles solitaires. C'est-à-dire qu'elles ne vivent pas en essaim. Chacune est responsable de la transmission de son patrimoine génétique. Si elle meurt, ce patrimoine ne sera pas transmis. Et la plupart des pollinisateurs qu'on voit dans nos jardins, maintenant je les reconnais, parce que avant je ne les connaissais pas, mais maintenant je les vois et je vois les abeilles solitaires. Je ne sais pas si vous avez des volets avec des petits trous, mais moi tous mes petits trous de volet, ils sont remplis par une petite abeille qui vient pondre dedans et qui bouche mon trou de volet avec une petite capsule de, vous n'avez pas ça, de cellulose. Et donc ces abeilles sont extrêmement précieuses. C'est avec les abeilles domestiques, elles jouent ce rôle de pollinisation à très grande échelle du tournesol, du maïs, pas les céréales, parce que les céréales c'est le vent, mais
tous les arbres fruitiers, c'est aussi tous ces insectes pollinisateurs qui ne sont pas des abeilles domestiques. Et voilà. Merci. 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 Merci.